Félicitations, notre meilleure équipe du Skoda Tour 2012. Et ils ont bien géré l'étape hier, ils ont tout contrôlé. Jimmy, c'était pas trop dur hier l'étape à contrôler? Ben, ça a été quand même, mais bon, c'était pas facile, notamment à mi-parcours où il y a eu pas mal de difficultés à affronter et une équipe RadioShack qui a durci la courbe, donc on a réussi à contenir les attaques qu'ils ont produites et après sur le final on a été aidé par les équipes de sprinteurs. Mais c'est une petite guéguerre à l'ensemble sur la zone et RadioShack. Bah ouais, ils tentent bien évidemment comme ils ont l'habitude de le faire ici quoi, mais bon on a une équipe solide, des coureurs qui sont capables de les suivre et donc pour l'instant on n'a pas été inquiétés encore. Et on a bien vu déjà à Sananessi, tu es bien costaud pour aller jusqu'au bout. Ah ouais, j'espère, mais je pense que ça risque de se jouer demain et être difficile demain. Donc on va essayer de passer une journée plutôt tranquille aujourd'hui pour arriver encore avec beaucoup de force demain. Ok, bonne chance. Donc Jimmy Angulvan pour Sosoyasun, dans cette étape pour Rhein-Molotech en Prolog gewonnen. Ringt immerhin heute in Öff auf der Leipzig geschwärt, Nummer 2 de l'Europe. Und Didier, ihr habt sich schon angeschrieben, ja, ihr verpasst natürlich da Monat so kleine Führer verpasst von Topsport Flandern, da das den Michael van Steyn gewesen, der noch für Feuerjahr am Kriterium auf Bär eigentlich Etappe gewonnen hat. Dumm am Nummer 7, hier hat schon oft heute dabei gewesen, alle nur noch für ein Feuerjahr den Skoda Tour gewonnen, das ist kein anderer wie der Schweizer Führer Gregory Rast. Moje Gregory. Thank you.